Donc la crainte que j'ai pour le prochain quinquennat, c'est de ne plus me reconnaître dans la France dans laquelle j'ai été élevée, la France d'ouverture, la France qui permet l'accès à la culture à tous, la France qui reconnaît chacun dans son individualité, mais tout en cherchant à être justement dans une démarche collective de fraternité, d'égalité. C'est ma plus grosse crainte avec cette présidentielle qui me semble étrange et qui ne me laisse pas pour l'instant entrevoir de perspectives positives. Moi, ce que j'attends de ce prochain quinquennat, c'est de pouvoir offrir à mes enfants un cadre de vie acceptable, de pouvoir moi-même m'insérer non seulement dans mon métier avec des choses que je peux transmettre, mais aussi à mes enfants et leur dire ben voilà, vous pouvez profiter de ceci, de cela, parce que ce sont des choses qu'on a décidées ensemble, on a voté pour des gens qui portent ça, et j'ai besoin de pouvoir montrer qu'il y a une volonté collective d'apporter du positif à chacun d'entre nous.